Kikou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est encore sur Farming Simulator 17 et on est encore sur la map Sombreville V2. Toujours en bêta, toujours la même version que depuis la dernière fois. Je vous rassure, je n'ai pas eu de nouvelle version. Je sais qu'il a fait quelques modifs encore, mais voilà, il m'a dit qu'il fallait que j'attende encore un peu pour avoir la prochaine, voir ce qu'il avait fait. Enfin, je sais ce qu'il a fait déjà niveau utilité pour la map, mais je sais pas s'il a rajouté des trucs après, je ne sais pas du tout. Et la dernière fois, j'avais oublié, enfin, il m'a dit t'as oublié de parler d'un bâtiment, d'une usine qui sert à fabriquer tout simplement. Attendez, je cherche le HUD, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Il n'y a pas mis le HUD. Ah si, attends, il y a un truc là, non? Ah si, là, ah, ici, là, voilà. Ah, il a repris le truc, un truc qui était à la Syrie, ça. Du coup, vous emmenez du lait et des palettes. Ça vous fabrique des palettes de beurre et de fromage. Une petite, petit endroit tout simple, tout mignon. Voilà, qui nous permettra d'avoir des palettes. Je sais pas lequel sera où, hein, mais voilà, on aura un spawn de 1, 2, 4 palettes. Oula. On aura un spawn de 4 palettes. D'un côté comme de l'autre. De quoi les stocker sur le côté. Ici on met les palettes. Là ici on recule le lait. Et c'est tout bon. J'essaye de voir si je reconnais les bâtiments. Mais je reconnais pas. Je reconnais pas. Il m'avait dit quoi d'autre. Ah oui, au niveau de la raffinerie. Apparemment il a modifié la raffinerie. Bon après c'est vrai que... Ah oui, du coup je lui dis, j'ai pas dit de... Enfin après il y a des points comme moi j'ai mis en fait tout ça. Ou ce que j'ai mis raffinerie et tout. Parce que c'est vrai, du coup, j'ai du mal à... Je sais pas si vous avez vu aussi le PDA, il a changé, vous avez vu, ça fait sympa, j'aime bien. Ça fait vieux un peu, puis c'est stylé, quoi. La raffinerie, du coup, je suis vraiment paumé quand je regarde le PDA. En jeu, je vais la trouver facilement. C'est quoi ça? Station d'accueil pour farming tablette. Ah, ouais, ça met un truc, d'accord. D'accord, je savais pas. Donc en théorie, si on vient par ici, non ça c'est la place du marché, je suis paumé. Je suis paumé. Je suis paumé. Sur le PDA, je suis paumé. Dans le jeu, ça va, mais alors sur le PDA, je suis paumé. Bon, vaut mieux que je me perde avec le PDA que sans. Ah, c'est plus simple. Du coup la raffinerie qui est ici. Alors maintenant on a la raffinerie a deux fonctions en fait. Ici on y met par contre je sais pas où c'est qu'on vit de quoi. Parce que du coup si ça a deux fonctions. Ah ouais. Ici on recule, on met le tournesol. Ça nous fait du carburant. Voilà, on fait du diesel. Mais on n'a pas forcément besoin d'emmener de palettes. Donc c'est vrai que c'est intéressant du coup, parce que du coup je vais pouvoir produire mon tournesol, là, pouvoir semer du tournesol sans forcément avoir besoin de produire de palettes, donc ça va changer un peu nos plans. Donc sur cet épisode là, je vais me manier de finir de vous faire le tour, on va quand même aller faire du bois, voilà, ça sera fait, si on le met dans l'usine à bois, enfin la scierie, je sais pas du tout, on verra. Mais au moins, on n'est pas obligé de faire des palettes pour pouvoir lancer ça, et du coup ici, en mettant les palettes et du tournesol, on fait de l'huile de tournesol, tout simplement. Voilà. Donc là, je crois que j'ai rien oublié. Voilà. C'est tout. Normalement, si on switch, on tombe dans le... Ah, bah, c'est pas normal, ça. C'est parce que j'ai pas switché du bon côté. Donc du coup, on va couper des arbres. On a dit qu'on allait commencer par là. On va se remettre en vitesse normale. Et c'est parti, on coupe du bois. Alors, j'ai mis le mesure mode. Le money mode, j'allais dire le mesure mode. Donc je n'ai pas le money mode et je n'ai pas envie de l'avoir. Donc ici on a beaucoup d'arbres. Hop, attention. Ok. On va nettoyer les branches. Par contre je me rappelle plus de la longueur pour l'arbre mort. En sachant qu'on va pas la charger en auto-load. Je crois que 8 mètres c'est bon. On va vérifier quand même. Alors attendez. De là, ouais, on peut, ouais. Si on fait 8 mètres, ça rentre easy. Quoi. On peut faire du 9 mètres.
9 mètres, ok. C'est parti. On va taper sur 9 mètres. De toute façon, on va le charger manuellement, donc crise de nerfs garantie. Ouais, là, je sais pas. Faut se mettre ici. Voilà. Et donc là, on est parti, 9 mètres. Pour ceux qui connaissent pas ce mode, hein, c'est le... Je crois que c'est mesure mode, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Là, c'est quelque chose comme ça, vous tapez mesure mode, après c'est alt de gauche et le clic droit de la souris. Voilà, donc après c'est à vous de calculer, ou vous refaites à chaque fois, moi je fais 9 et 9, 18 du coup. Vu que bon, voilà, j'étais à l'école, j'ai appris mes tables de multiplication. Comme ça. Du coup, 3 fois 9, 27. Hein, c'est, en plus c'est bien, ça fait réviser. Ça fait réviser. D'habitude je fais 8 mètres, donc ça va, si je révise ma table de 8, là je mesure, je révise ma table de 8. Bon, techniquement, à mon avis, je pense pas que j'en fasse plus de 4 morceaux. Ouais, 34 mètres, c'est pas bon. Ok, allez, on part sur un autre. D'ailleurs, je tenais à vous remercier à mon nom et puis en celui de Monsieur Boutsy. Voilà, ça lui a fait plaisir et ça l'a remotivé voilà, de voir vos commentaires et tout. Enfin, de la présentation entre guillemets que j'ai refait, parce que voilà, j'ai refait un truc rapide. Hein, j'ai pas représenté toute la map. Hein, voilà, ceux qui suivent connaissent déjà avec les autres épisodes ce que j'avais fait. Mais voilà, du coup, il est content, ça l'a remotivé. Donc, vous devriez voir le jour de la V2 en avril. Et on n'est pas encore en avril, monsieur GG. Et essayez pas de soudoyer la map, parce qu'apparemment il y a eu des menaces de mort avec menaces de kidnapping de poissons rouges. Là, je suis pas là, quoi. Hein. Je suis pas au poisson rouge, mais pas Maurice. Non, pas Maurice, on a dit pas Maurice. J'ai failli faire 8 mètres avec l'habitude. Tac, tac, tac. Oh, c'est rare qu'on tombe pile poil, ouais, 18-01. C'est rare qu'on tombe pile poil comme ça. C'est rare, c'est rare. Brandy, là. Ça va être bien chiant ça. On va faire tomber celui-là avec. Et on va commencer à ranger ça. On va commencer à ranger ça. Déjà, on en aura mis 3. Je pense que je peux en mettre plus quand même. Ah, mon téléphone qui fait un petit jiggling parce qu'il est en mode. En mode sonnerie. C'est. C'est monsieur Landais à qui on fait un gros oubli qui m'envoie un petit message sur Facebook. Moi je l'ai pas lu, hein, on verra ça plus tard. Et qui va revenir. Il y a des pays froids là-bas, où il y a de la neige et tout. Hop là. Putain là ça. Bon, après j'ai le machin là pour épousser et ça c'est cool. Et on peut treuiller aussi. Du coup, 9 mètres, pardon, excusez-moi. On remet la tronçonneuse droite. Ah, 9 mètres, ouais, 8,95. Si on met un petit poids droite, 9,22. Allez, 8,95. On peut se prendre la tête. On va plus se mettre à genoux. Tu coupes ici, ça bouge, je suis là. C'est fou, ça. Alors, des fois, faut faire gaffe que quand vous avez. 9 et 9, 18. Hop. Quand vous avez deux arbres, ça risque de couper en même temps celui qui est en bas. Donc, non, vous voyez, là ça a voulu. Ça a voulu me prendre celui qui était en bas, je le sais. Hein. Pas de l'affaire à moi. Voilà. Hop. 18, 27. Tu remets que les grands dans la remorque et les petits, mais on. On les charriera dans le broyeur qui est là. Hein. Ils font pas la longueur. Je garderai celui-là. Celui-là, techniquement, attendez, je vais juste vérifier. Je vais m'enlever le poids, distance de l'objet. On va le laisser, mais on va enlever le poids. On va se mettre. Je crois de base, c'est 1, non? Je crois que c'est 1 de base. On va voir si on peut le porter. Alors, on va enlever ça. Ouais, ouais, excusez-moi. Ouais, parce que j'aurai la distance. Voilà, je peux le porter, donc on peut. Ah, c'est comme si j'avais pas le mode, donc on peut. Donc on va aller l'emmener directement dans le broyeur. Donc du coup, il a quand même son utilité si vous voulez vous débarrasser des petits trucs comme ça, comme moi. Hop, voilà, comme ça. Ça fera quelques copeaux, ça évite de se faire chier à charger des trucs à la con. Celui-là, c'est pareil, il fait pas la longueur. Est-ce qu'on peut le porter? C'est pas dit. Si on peut, nickel. Allez. Non, mais comme ça, c'est plus cool. On a que des grands morceaux et parce que bien souvent en plus les bouts comme ça ils sont c'est eux qui ont tendance à bugger un petit peu.
Bien que, même si le bois bug moins, petite cabane pour chasser là. Allez, notre petit classe. Alors je sais plus, je crois que j'avais monté le son l'autre jour en live, je l'ai pas rebaissé, donc j'espère que ma voix sera plus haute que le jeu. Bah si c'est pas le cas, mais je ne suis désolé. Je suis sur la... Ouais, je suis sur la fourche. Quoi, je suis en boîte. D'accord. On va changer. Alors, comment on va s'y prendre? 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 Je sais pas trop. Ah mais je pense que là il va pas nous servir. Je pense qu'il nous servira de troyage au pire. Pourquoi il veut pas marcher mon... Ah. J'étais pas sur la bonne sélection de l'outil. Il nous servira à troyer au pire mais... Pas tout de suite apparemment. Voilà, pousse toi. Ah si, on a peut-être le petit bout là qu'on mettra, ouais, qu'on mettra là-bas. Allez, alors ces pinces sont bien. Voilà. Faut pas mettre trop, faut éviter les sangles. Parce que du coup, ça fout le bordel les sangles. Bon, du coup, ça va parce qu'on va lancer les. On lancera les planches. Parce qu'on va essayer de se charger une remorque et de se l'emmener. Hop. Bon, si je les fais un par un, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais. J'ai pas trop le choix. Je m'y suis mal pris en fait. Je m'y suis mal pris. C'est vrai qu'après, quand on a une abatteuse, ça va quand même mieux parce qu'on peut faire des petits tas du coup de 4-5. Ben voilà. Hop, comme ça. Du coup, c'est un peu plus simple. T'en recules avec moi toi. Voilà, super. Ouvre un peu plus ta pince. Non, mais je t'ai pas dit de switch. Il est con lui. Bon, je sais plus conduire. Bon, est-ce que je l'ai déjà su? On ne sait pas. Là, par contre, du coup, on peut peut-être éventuellement prendre celui-ci. En essayant de le pousser sur celui-là. Ah! Je vais aller me coincer dans celui-là. Pour gagner du temps, je vais perdre du temps. Ça, c'est moi, ça. C'est tout à fait moi. Hop. Là, on peut prendre les deux. Allez, boîte. Ok, nice. On a quand même deux beaux morceaux de bois. C'est vrai qu'après du coup c'est sûr qu'en multi c'est mieux parce que bon il y en a un au pire qui peut... C'est vrai que le bois allait partir en cacahuète sur la fourche. Ah, c'est vrai qu'après le bois du coup il y en a un qui peut admettons bellotroyer. Alors, attendez, ce qu'on va faire c'est ça. On va le pousser. Ah, je suis encore sur la sélection du... Voilà. On va le pousser pour qu'il soit avec son petit frère là. Voilà. Non, on met le tracteur sur lequel ça va pas le faire. Hop. On repasse sur les fourches. Je croyais que ça c'est un peu chiant par contre de devoir switch, mais bon quand vaut mieux parce que si on n'avait pas ça, ça serait un peu la merde. Par contre du coup on va être emmerdé avec celui-là, là je le sens. Je ne sais pas pourquoi mais je le sens. On aurait pu au pire se l'attraper, le troyer, le mettre à la même hauteur que les autres. C'est vrai que ça aurait pu être sympa. Oula, là, on a levé l'avant du tracteur. Est-ce que... Il va nous faire chier celui-là. Hein. Ah et lui il va nous faire chier. Lui il va nous faire... Ok. Ouais. On va essayer de les aligner quand même. Non mais avance maintenant. Avance te dis. Ah voilà, moi ça au bout d'un moment je pète un plomb. Alors je vais essayer de rester calme. Donc là ce que tu fais c'est que lui il va du coup tu le descends là, tu re-switch, tu vas te mettre là. J'aurais dû le troyer en fait, on aurait gagné du temps. Ce
pour m'éviter de devoir reposer. Tu descends un peu le schmilblick là. Tu pousses, c'est quand même fait pour pousser aussi. Faut 6 lames. Voilà, tu le relèves. Et comme ça, t'as perdu un max de temps. Il va te falloir 4 jours pour changer de remorque. Allez, mon petit poulet. Tu peux les faire. Tu peux les faire. Tu peux les faire. Enfin, je limite que j'arrive en fait pour celui-là à trouver. Pour le modifier, même sur Giant, je m'en fous, c'est pas un problème. Il rajoutait le. L'habillage là pour le bois là. Et mettre le. Le nécessaire. La cage. Ça pourrait être sympa. C'est vrai que bien souvent on nous fait des mods, mais. Oh, c'est des petites conneries, mais. De nous faire des camions de pompiers. Ah, je crois qu'ils avaient pas mâché. À 9 mètres, c'est bien, hein. Même en autoload, ouais, je sais pas si ça passera en autoload. Je vous rassure, on fera peut-être pas forcément tout le temps du chargement. Des fois, en express, on fera peut-être du. De l'autoload. Ah, alors, on va essayer de faire ça bien quand même pour les quelques premières remorques, hein, après. On va pas non plus faire une série sur le bois, donc au bout d'un moment, on va pas se casser la tête. Après, je sais pas du tout si niveau consommation de bois, elle est poussée ou pas, sa série, comme sur ma map. Moi, je sais que voilà, moi, je l'ai ultra poussée, quoi, la consommation du bois. Bon, voilà, comme moi, je l'ai dit à la base, moi, la mienne, elle est vraiment faite pour le multi. En solo, c'est vrai qu'elle est assez hard. Il y en a qui la font en solo d'ailleurs, mais là quand même beaucoup plus en multi. Allez, allez, pas solo dedans là. Punaise. Ah voilà. Allez hop. Du coup le petit bout, mais le petit bout on le mettra là-bas. Alors est-ce que. Ok. Vous avez bien compris que c'était indépendant de ma volonté, ce petit souci-là. Mais le bois, il est passé. Bon, tu me lâches. Merci. Il est passé à travers la pince, quoi. Carrément, quoi. Du. Le truc, il s'est téléporté à travers la pince, quoi. Ouais, il faut que ça rentre. Ouais, je pense qu'on peut en couper au moins un déjà. Non, c'est pas par là, c'est par là que je voulais. Je vais aller en marche arrière. Merci. Donc on va rattraper celui qui voulait pas venir. Incroyable ça. Allez, tourne maintenant. Tourne, tourne, tourne. Voilà. Attrape-le. Si tu veux. Pardon, c'est un enculé. Non, déconner, il a le choix de venir dans la pince. De tomber par terre, mais lui il a fait le choix de venir par terre. 4 heures pour changer une remorque. Et attendez, je vous ai pas parlé du déchargement quoi. Bon, le déchargement, je sais pas, on va. Est-ce que je le. Bon, je pense que je vais reculer la remorque. Je sais, je me rappelle pas, je me rappelle plus comment elle est foutue la série. Parce que c'est. Bon, on en a pas fait du coup de bois sur cette map. Je me rappelle plus. Et voyez, encore une map d'ailleurs. Pour ceux qui. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que. Au niveau de ma map, il n'y en a pas beaucoup qui avaient vu le. Ah ouais, on peut en mettre encore au moins un. Il n'y a pas beaucoup qui ont vu le. La série que moi j'ai mis, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu. Je suis là bon. Si vous voulez, mais. Fais celui-là. Tu te mets accroupi là. Ah mais d'accord, c'est qu'on est en hauteur, jugé putain. J'ai même accroupi les grands quoi. Ça t'es pas normal hein. Attention de soupe. Voilà. Dans les souches, comme ça va bien être chiant. Alors on peut voir que si je prends le bois, voyez, c'est marqué que c'est trop loin. Donc on disait pas ouais machin truc. T'as cheat en fait. T'as cheat. Parce que tu pouvais pas le porter, c'est pas vrai. Même si. Je suis pas un cheater.
est vrai que des fois, on se sert un peu de ce modèle pour nous sortir de quelques panades. Mais... Allez. Ouais. D'ailleurs, je sais que je vais te rajouter des mods. 27, est-ce qu'on a 27? Ouais, on a 27. Donc, on va couper. Là, à mon avis, le bout va disparaître. Petits disparaissent. On va essayer de se servir du treuil, on va essayer quelque chose. Parce que quand même qu'on s'en serve. Alors attendez, on va juste regarder si on est bien sur la sélection. Parce que je me rappelle jamais comment ça fonctionne de toute façon. Activer le treuil X. Enfin c'est 1 du coup. Parce que c'est X pour... Enfin, c'est compliqué quand même. Attends, on va enlever le marqueur. Voilà. On met le... Et on s'en bat les steaks. Non, mais si tu tournes tes roues dans le même sens après, coup de. Désactiver le treuil. Tu vois, c'était, il me disait 1, d'accord, c'était le 1 de celui-là, d'accord. Attacher l'objet. Voilà. Après tu treuilles, donc tu fais W. C'est vrai que c'est pas mal ça, j'aime bien. Voilà. Là, tu montes dessus. Tu avances. Ouais ça va, c'est pas au top non plus. T'essayes de le garer. Sur celui-là, on va essayer de faire W pour voir. Histoire de le rapprocher de celui-là. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on va être en gêné? Non, pas rien du tout. Donc on fait B. Voilà. Et celui-là, on le prendra après. Ouais, on le prendra après. Par contre, du coup, ce qu'on va faire, vu qu'on fait comme ça, on va le faire tomber dans ce sens. Comme ça. On va essayer. Hein. Je vous promets rien, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Je sais pas la longueur du câble. B. Nice. Ah, le câble est assez grand. Ah ouais, on va avoir les souches qui vont nous faire chier. On va voir. W. Putain, l'arbre il va décoller mon gars. Ah non. Ah ouais, vache. Ok. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais appuyer sur le 1, pas sur le... Pas sur le table. Oups. On peut pas dessoucher comme ça, là. Vas-y, là. Faudrait quelque chose pour nickel. En fait je crois que je vais être vite obligé, si j'ai envie de m'amuser à faire des trucs comme ça, de sortir le Schmilbic là-bas, la grosse débusqueuse en fait. Bon là on va essayer quelque chose, mais alors je vous garantis absolument rien. Il va suivre, hein, c'est pas un problème. Le problème, c'est que j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, en fait, tu vois.
Bon, du coup, on va être à peu près par ici. À peu près. On va faire 9 mètres. On va charger ça. Trop petit, ça on va l'emmener. Merde, mais du coup c'est que j'appuie sur le clic. On va l'emmener au compost. Oh, au compost. Au machin. Fait tomber dedans quoi. Il y a beaucoup dedans du coup. Ouais. Tu penses que ça va faire grand chose nos 3 copeaux et 2000 du coup là je l'avais détaché, ouais. Celui-là on a dit qu'on le virait. Trop lourd. Ah ouais, donc peut-être le coup de l'emmener. Du coup, les couper ici. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tac, tac, tac. On va avancer comme ça. Voilà. Il n'y a pas une touche pour tout détacher, troyer, lâcher du monde, troyer plus vite, tout détacher, shift B, voilà, voilà, comme ça on connaît un peu les touches quoi, tu vois. Du coup, on repasse sur la chargeuse avant. Ah, c'est pas mal à faire, hein. Bon après c'est, ouais, après c'est un rythme à faire, à prendre. Bon après il va y arriver un moment, je vais ou louer la batteuse ou en acheter une carrément, parce que je vais pas non plus me prendre la tête. Mais bon, il va nous falloir de la thune. Après on a moyen de se faire de la thune rapidement. Ne serait-ce que... après je... What? Je vous le demande. Je vous le demandais là. Donc bah du coup ça va me bloquer, je pourrais pas faire d'autres épisodes derrière, mais bon c'est pas grave. Au pire, enfin si au pire je peux faire un autre épisode parce que de toute façon ça sera pas pour tout de suite. Vu que je sais où sont les pièces d'or, vu que j'ai refait une sauvegarde, est-ce que si je trouve les pièces d'or, est-ce que je vous montre ces pièces d'or, ou est-ce que je peux, parce que je peux les enlever directement de Giant, et dans ce cas là ben, vous saurez pas où elles sont, je vous spoil pas, ou on les trouve. Donc ça va pas être, attention, ça va pas être tout de suite non plus, hein. Je pense que là on va pouvoir emmener ça, ça sera parfait. Ça sera pas tout de suite de toute façon si on les trouve, mais est-ce qu'on les trouve, je garde la thune. Est-ce qu'on les trouve plus tard, vous voyez où c'est, du coup après vous avez plus qu'à aller les chercher vous-même. Sachant que c'est comme sur ma map, c'est un trésor quoi. Mais je vais voir un truc avec lui. Avant de partir à la recherche. Essayer peut-être de modifier un peu son emplacement de pièces entre guillemets. À moins que ça soit déjà fait d'ailleurs, j'ai pas. Bon, normalement, je pense pas qu'il ait, que ça soit comme je pense. Mais voilà, voir avec lui, peut-être faire autrement. Mais du coup, après, voilà, la question en gros est-ce que je garde le million, hein, parce que ça rapporte un million quand même. Donc on va dire qu'un peu la game est. On va dire elle est un peu cheatée. Donc est-ce qu'on récupère le million et, ou est-ce que bah, du coup on s'en fout. On trouve le trésor ensemble, sachant que je sais où il est. Ou alors, what the fuck, j'ai perdu la marche arrière. Ou alors, eh bien, je les enlève et puis voilà. La question se pose plus. En plus, je sais pas quand c'est que vous allez avoir la vidéo là que je tourne. Voilà, on est vendredi, ce soir on est en live. Je sais pas trop. Est-ce qu'on peut... Est-ce que je vois qu'il y a une attelle sur le... Est-ce qu'on peut accrocher nos remorques dessus? Même si c'est pas un dolly. On va voir. C'est vrai que ça serait sympa, parce que ça m'éviterait d'être là à chaque fois tout le merdi. Non, c'était pas celui-là que je voulais. Elle est où la tire là? Elle est dans le sol.
Ouais, mais c'est parce que je suis pas bien en face là. Bon, attendez. À mon avis, ça prendra pas. Hein. Oh si, nice. Oh oh, nickel. Bon d'accord, c'est un peu pété parce que bon, la remorque elle est un peu sur le cul, mais... est-ce qu'on sangle? Hein? Ce sera mieux, hein. Allez, go. Ça, on l'emmènera au broyeur là-bas. Alors, on va emmener ça et puis on va se quitter là-dessus. Toujours pareil, un petit épisode, hein, voilà, parce que voilà, c'est, comme je l'ai dit, c'est tourné entre milliers et deux à chaque fois. On va essayer de pas tomber dans la rivière. Même si elle n'est pas profonde, on s'en sortira toujours. Mais on va éviter. Je crois que le tracteur il en chie sa mère. Ah là, il faudra faire attention, c'est dans la descente. Attendez, on va essayer de se mettre en vue intérieure, c'est comme ça. Hop, mince. Attendez que voilà. Je m'étais trompé, je croyais que j'étais sur la sélection du truc là. Mais je pense qu'on va directement reculer à la scierie, on va pas s'embêter. Le prochain coup, mais je viendrai, il faudra que je vienne avec le tracteur aussi, mettre des copeaux. Bon, je pense que je ramènerai, comme j'avais dit, la farmtech. La farmtech, je laisserai ici. Ce soir, après, je l'avais pris pour faire... Ah oui, c'est vrai, je suis couillon. Je l'avais... À la base, je l'avais pris pour faire du bois. Mais du coup, j'ai acheté cette remorque. Voilà. Achat. Que foi. Ici, je sais qu'il faut que je ralentisse. What the fuck. Là, mon gars. On a failli y passer, les amis. On a failli y passer. On a failli mourir. Mais on n'est pas mort. Allez, César, ouvre-toi. Allez, hop. Allons livrer notre petite remorque à la Sicilie. C'est un peu boueux d'ailleurs chez eux. Bon, on peut reculer là, on va pas se servir de la grue aujourd'hui. On va pas s'embêter avec ça. Ça se trouve j'en ai assez pour 10 games là du bois que je viens de faire. Bon, si c'est le cas, au pire je peux me modifier moi-même. Je sais comment ça marche. Entre guillemets le tirage on va dire. Ah, j'ai trop obligé. Oh, j'ai trop obligé de le faire. Que ça touche. Je sais pas sur la sélection de quoi je suis. Non, toujours pas. Ouais, aïe, oui. Mais aïe, aïe, aïe. J'ai failli mourir, mon gars. Évite de passer à travers le tracteur, s'il te plaît, on filme, là, on filme. Non, mais non, bah, mais... Allez, la grue, hein. Allez, la grue, hein. C'est parti. On va couper le tracteur. On va le laisser là. On ramènera ça plus tard. La grue. Je suis en train de chercher le point. Ah. En vue intérieure. T'es sérieux, toi? Allez, vas-y. Non, dans l'autre sens. Alors, attendez. C'est que je cherche toujours. Voilà, comme ça. On va rabaisser la caméra. En vue intérieure. Ok, ramène-le comme ça. Descends. Voilà. Ferme le crochet. Remonte. Je sais jamais comment on remonte. Hein. Comme ça. Ça va être emmerdé que de lâcher mon tracteur. Non mais je me suis trompé de bouton. Ok. Voilà. Hop, c'est dedans. Ouais, beau gosse mec, beau gosse. Je suis grutier quoi. Voilà le problème. Va négocier pour pas attraper la remorque.
Alors on va y aller mollo. Alors là, à mon avis, on emmène dans la remorque, non? Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on a cassé tout le tralala. Là, on est dans la merde. Et regarde. Tu l'as reconnu la miniature? Là, on va se décaler tranquillement par là-bas. C'est vrai que c'est sympa se servir, hein. Faut descendre, j'ai dit. Voilà, comme ça on peut se décaler par là. Allez, je l'ai mis carrément dans dans le truc. Voilà. Et après, ce qu'on fait, on va se remettre en face de l'échelle. Si on la trouve, en vue intérieure, c'est pas gagné. Attends, peut-être relever le crochet quand même. Voilà. Elle est où l'échelle? Le mec, il est censé l'avoir normalement l'échelle. Hein, je sais pas, je dirais par là. Je n'en sais rien. Je descends là. Ouais. Moi, je suis à bas gauche. On dit quoi, on a mis 55%. Donc ouais, je verrai. Au pire d'augmenter le... Je sais pas. Faut jouer avec lui au pire, comme je dis. Parce qu'après, c'est vrai que du coup, avec ça, j'ai quand même quelques palettes à faire. Après, je sais pas du tout la consommation. Donc après, moi, c'est vrai que j'ai augmenté la consommation de bois. Mais j'ai augmenté aussi le stockage de bois dans la scierie. Hein, pour qu'il y ait quand même un juste milieu. Mais bon, du coup, là, je vais venir avec la petite remorque, avec la FarmTech. On a déjà 41 000 de copeaux, on a déjà de quoi faire tourner l'usine, on va lancer les planches. J'achèterai le petit chariot que j'emmènerai ici, là, le Line 2, là, que je me sers beaucoup sur ma map. Je l'apprécie vraiment beaucoup celui-là, c'est vrai que, enfin, intérieurement il est dégueulasse, mais extérieurement, et puis il va vachement bien manipuler tout ça, j'aime bien. Donc on prendra les copeaux qu'on mettra ici, hein. Voilà, les copeaux on les met là, les palettes vont arriver là. C'est exactement la même série que moi. Sauf que... ah si, et lui, il y a la sève sur sa scierie. Et oui, c'est vrai, il y a la sève. Voilà, moi, j'ai pas la sève. Lui, il a la sève d'arbre. Donc, lui, on va récupérer la sève. Enfin, ça, c'est un stockage de sève. Ça, c'est la sève, voilà, qu'on emmènera aux usines. Hein, voilà, simplement. Du coup, c'est cool. Ici, on peut vendre des copeaux. Au pire, si on en a deux trop, on peut vendre des copeaux. Je sais pas si ça se vend bien cher. Je sais pas du tout. On a 1000 euros les 1000 litres, donc ça vaut quand même le coup d'en vendre. Au pire, une remorque si on a besoin de thunes et si on en a trop. Et bon, voilà. Bah, sur ce, les amis, moi je vais vous faire un gros zoubi. Je vais vous dire à très bientôt pour un prochain épisode. Je pense que prochain épisode, du coup, vu que l'usine n'y a pas forcément besoin des palettes, ce que je ferai, c'est que j'amènerai la remorque ici. On chargera les copeaux et après on s'en ira semer le tournesol. Et j'étais en train de chercher ce qu'il fallait semer. Le tournesol, je crois qu'on va faire du tournesol. On va essayer de faire du blé. Enfin, techniquement, j'en ai pas spécialement besoin. Je vais regarder par rapport aux besoins de la map des usines. Mais je pense que, ouais, on va faire du tournesol dans le gros champ. Les autres, je sais pas trop ce qu'on va y mettre. Enfin, on verra bien. Je vais y réfléchir. Putain, j'ai un petit rototo après manger, normal. Hein, tu tapes dans le dos. Je vais réfléchir et puis je vous tiens au courant dans le prochain épisode. Voilà, et du coup, dites-moi pour les pièces d'or. Hein, si... Alors, ce qu'on fait, alors, voilà, je vous donne les solutions. C'est on les garde, d'accord. On garde les pièces avec l'argent ou j'enlève les pièces. Directement dans Giant. Ou on garde des pièces, mais une fois que je les ai ramassées, on vire l'argent. Le million que je vais avoir gagné, on le vire.
Bon, pour moi, techniquement, je vous laisserai, je vous montrerai, mais je vais voir avec Bootsy d'abord pour qu'il fasse une petite modification par rapport à ces pièces-là. Hein, voilà. Comme ça, en fait, si vous voulez, je vais vous spoiler un peu, mais pas tout, et du coup, ça pourrait être sympa. Donc, moi, les amis, je vous fais un gros oubli, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'est tout. N'oublie pas, hein, si t'as apprécié la vidéo, hein, si t'as aimé me voir faire du bois comme un fou, n'oublie pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi, sur ce, gros oubli, à très bientôt. Tchuss, les amis. Soupi. Thank you.